L'animateur, il accueille, il renseigne, il rassure, parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore peur des ordinateurs. C'est très social aussi, parce qu'il y a des gens qui arrivent aussi avec leur bagage de difficultés, qui ont besoin aussi de les dépanner ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très très complet. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, que ce soit informatique ou social. Il y a le volet formation au sens propre du terme, mais alors il y a aussi un volet conseilleur, je veux dire. Les gens qui décident d'acheter une machine, qu'est-ce que je dois acheter? Une grande compréhension, un suivi. Il faut beaucoup de curiosité. Le principal atout d'un bon animateur multimédia, ce n'est pas, le côté connaissance informatique, je pense que c'est plutôt le côté humain. Animateur EPN, ça demande beaucoup de polyvalence, beaucoup de compétences différentes. Si on veut faire un espace qui est très dynamique, il faut aimer le social, il faut aimer... être créatif, arriver à faire des ateliers dynamiques et faire des partenariats, surtout autour de soi. Je pense qu'il faut être ouvert, il faudrait écouter beaucoup le public. Très patient, persévérant, et puis faire confiance aussi aux gens, et ça se passe bien, les ateliers se passent bien. Je pense que c'était un atout de ne pas être informaticien à la base, puisque moi je n'avais pas un langage d'un informaticien qui a été formé avec cette technicité et ce langage très, très, très pointu. Je crois que c'est ça aussi, c'est ça la première chose qu'il faut acquérir quand on veut être un animateur d'espace public numérique, c'est une ouverture d'esprit, ça c'est sûr, accueillir tout public, mais aussi beaucoup de patience. Je pense qu'avant tout c'est une question d'écoute. Les compétences informatiques telles qu'elles ne sont peut-être pas primordiales, mais avant tout écouter, comprendre chaque demande dans sa spécificité, essayer d'y répondre. D'aimer ce qu'on fait, donc d'être motivé, d'avoir envie de partager ce qu'on connaît. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, énormément de patience pour être animatrice EPN. Parce qu'on se retrouve avec des personnes complètement novices en fait, qui n'ont jamais utilisé un ordinateur pour la plupart. Il faut vraiment avoir une bonne pédagogie, trouver des mots très simples, très clairs, aller droit au but, pas commencer à leur raconter 50 000 choses qui ne vont pas leur être utiles. Un enfant, il est plus franc, il ose plus, il va s'aventurer, même s'il ne connaît pas un senior, il faut le rassurer, c'est tout à fait l'inverse. Le rythme est aussi beaucoup plus lent, quoi. Je crois que ce n'est pas comparable, c'est deux publics totalement différents, quoi. Le bon animateur EPN doit vraiment être ouvert, patient, pédagogue, aussi bien avec les jeunes qui ne savent pas encore bien maîtriser leur outil informatique, mais aussi avec les personnes âgées parce que justement elles sont un peu réfractaires au progrès parfois. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac non plus. Il faut la curiosité, s'intéresser à pas mal de choses, pas uniquement informatique, mais aussi de la vie de tous les jours. Les connaissances informatiques, évidemment, ça aide, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir de la patience, il faut avoir aimer le contact avec les gens, aimer rendre service aussi, parce que finalement, c'est ça un peu le but des EPN, c'est d'apprendre aux personnes à mieux maîtriser les technologies d'information.